Aïe! Je pense que cela n'a échappé à personne. Nous sommes rentrés dans la période de Noël. À moins que vous viviez dans une grotte, j'imagine que vous êtes légèrement au courant. Je pense qu'on est tous d'accord. On a grave envie de faire plaisir à nos proches et on a surtout pas envie de se planter. À moins que vous ayez des proches qui vous disent exactement ce dont ils ont envie. Parfois, on n'a ni le budget et je viens de couper mon doigt. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Parfois, on n'a pas le budget ou tout simplement, on n'a pas d'idée. En ce qui concerne le budget, je suis désolée, je vais pas pouvoir faire grand chose, donc il va falloir négocier avec votre banquier. Par contre, en ce qui concerne les idées, je peux peut-être vous aider. J'ai sollicité le site Idées Cadeaux, qui est mon partenaire, pour leur demander s'il était possible de sélectionner quelques produits dans leur boutique parce que j'adore ce site. Et je leur ai demandé s'il était possible de faire une vidéo Idées Cadeaux de Noël. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne. J'adore regarder ces vidéos-là chez les autres youtubeuses. J'espère sincèrement que ces découvertes vont vous plaire et que vous avez peut-être trouvé. Je viens de cracher, j'espère que vous l'avez pas vu, c'est dégoûtant. J'espère que cette vidéo va vous plaire et que ça va vous donner des idées. C'est parti! Je t'invite à regarder cette vidéo en entier parce que peut-être qu'il y aura une petite surprise. La première chose que j'ai trouvée mais super sympa sur le site, c'est un plaid, mais pas n'importe quel plaid. C'est un plaid avec des manches à personnaliser. Je trouve que c'est une idée excellente pour tous ceux et celles qui connaissent dans leur entourage une personne qui a tout le temps froid, une personne qui adore se mettre devant la télé avec un chocolat chaud. Et vous avez des manches, alors ça c'est génial parce que j'avais jamais vu ça. En fait, vous avez des manches et attention, tenez-vous bien, vous pouvez écrire quelque chose sur le devant. En plus, il est long. Ah oui, parce qu'il n'y a rien de plus pénible qu'un plaid où tu as tes orteils qui dépassent. Ah, je reste très bien comme ça tout au long de la vidéo. Je trouve que c'est une super idée parce que tu peux personnaliser et donc tu peux mettre un surnom. C'est hyper mignon, je trouve. La deuxième idée, c'est un tout petit cadeau, mais c'est le genre de petit cadeau qu'on peut faire, par exemple, je sais pas, je me vois bien offrir ça à une collègue, par exemple. Donc c'est très kawaii, très mignon. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Parce que vous voyez bien qu'il y a une petite langue. C'est que vous avez un petit récipient dans lequel vous allez mettre de l'eau. La langue va pendre dans l'eau, hein, pour tout vous expliquer correctement. Et ici, va pousser une plante. Alors il existe en plusieurs personnages, moi j'ai pris celui-ci, il y avait le panda mais je l'ai pas pris parce que ça faisait pousser du basilic et moi le basilic c'est pas trop une herbe qui me plaît, mais j'ai pris celui-ci, donc c'était un chat, ça me va très bien, et il va faire pousser normalement des petites fraises des bois. La troisième chose, c'est vraiment un article qui me ravit, je vais vous montrer pour ceux et celles qui boivent du thé. Donc là je l'ai déballé, donc je pense qu'on va être tous d'accord, c'est magnifique. C'est ce genre de pièce où en tant que fille célibataire ou pas, on s'en fiche, on a envie d'avoir pour son dimanche dans son plaid personnalisé pour regarder un film de Noël par exemple, ou n'importe quel film ayant pour vocation de faire plaisir, de faire du bien. Et en fait donc c'est une théière. En fait la théière donc se range comme ceci, donc c'est juste super pratique parce que parfois on manque de place. Et cette jolie théière, en dessous vous avez votre super tasse à thé et puis donc la petite assiette comme ça. Jolie, ça fait plaisir. J'adore, je trouve que l'idée est super sympa en fait, cette espèce de set en fin de compte à thé. Et si vous avez encore un peu plus de budget, vous pouvez très bien prendre ça pour une personne et ajouter du thé que vous irez chercher par exemple dans une boutique spécialisée pour le thé, et en ayant bien pris soin de choisir les arômes. On continue et là on va partir sur la gourmandise. Bah oui, s'il n'y avait pas de gourmandise, ce serait pas ma chaîne. Là on est dans l'original et la gourmandise. La personne à qui vous allez offrir ce coffret donc recevra ce carton avec un intérieur. Le principe, c'est que c'est un coffret où on va retrouver des sucreries qui appartiennent plus particulièrement à un pays qu'à un autre. La mangue, enfin du pudding en mangue, ça c'est hyper marrant, j'ai hâte de goûter. On a du caramel mou, donc ça c'est une spécialité en fait de Bretagne. Donc on a une spécialité de l'Écosse qui s'appelle le Shortbread House of Edinburgh. Donc c'est en fait apparemment un petit biscuit spécialement, enfin c'est un petit biscuit qui vient spécialement de là-bas. Ensuite on a une spécialité qui s'appelle chocolat, qui vient en fait de nos amis, de chez nos amis les Belges. L'idée c'est, ici vous avez un petit chocolat avec un bâtonnet en bois et vous faites chauffer votre lait.
et vous mettez cette petite chose à l'intérieur et ça vous fait un chocolat chaud. Ensuite, on a une spécialité Tartufo Nero del Piemonte. Alors bon, ça j'imagine que c'est une spécialité italienne. On a, et ça c'est une grande joie pour moi, des Reese's. Donc c'est en fait des espèces de petites cups comme ça où vous avez du chocolat et en dessous du beurre de cacahuète. Et c'est trop bon, j'adore ça. On a, alors je sais pas d'où ça vient, c'est Tim Tam. Ça s'appelle Tim Tam et ça a l'air d'être du chocolat. The Most Irresistible Chocolate Biscuit. Donc j'imagine que c'est américain également. Trop sympa. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être des petites... on va regarder. Des petites billes de toutes les couleurs. C'est dur. Pensez pouvoir croquer. Et on termine par un truc que j'adore puisque je l'ai aussi en version donut. Tadam ! En fait, c'est une machine à cupcakes. L'idée, elle est top. Puisque c'est une machine comme ça qui vous aidera à faire vos cupcakes si vous n'êtes pas équipé ou pas d'ailleurs, c'est juste super pratique. Vous avez une poche à douille qui vous permet de faire le nappage au-dessus de votre cupcake. Et vous avez cette machine dans laquelle vous allez justement mettre votre pâte et qui va tout faire entre guillemets pour vous. Et c'est le genre de chose qui est hyper ludique et que vous pouvez faire avec vos conjoints, avec qui vous voulez, avec vos enfants. Et c'est top. Alors c'est une machine qui est hyper bien présentée en plus. Ce que je trouve génial, c'est que c'est présenté la cupcake partie comme ça, dans une super mallette en fer. Elle est trop trop jolie. Et comme le nom l'indique, la cupcake partie, vous pouvez très bien, je sais pas, j'imagine vous rendre un dimanche après-midi chez une amie et vous dire bah on fait une après-midi manucure et cupcake partie. Et l'idée elle est géniale, il existe des crêpes partie, pourquoi pas des cupcakes partie. Et puis en plus tout le monde aime ça les cupcakes, enfin je crois. Je vous avais dit qu'il y aurait une petite surprise dans cette vidéo. Je propose à l'un ou l'une d'entre vous de remporter le coffret de sucreries. Pour participer, c'est très simple, je vais poster sur mon Instagram une photo qui est en corrélation avec cette vidéo. Pour participer, c'est très simple, il faut être déjà abonné à mon compte Instagram, donc ça me paraît évident. Ensuite, il faut être abonné à l'Instagram de Idées Cadeaux, que je remercie une fois de plus parce que c'est un super partenaire et j'adore. Postez un commentaire sous la photo qui concerne le concours et repostez cette photo sur votre Instagram personnel en m'identifiant pour que je puisse voir votre participation, sinon ça va m'échapper. Ce concours est valable uniquement en France, pour les majeurs uniquement. Il est ouvert à compter d'aujourd'hui et ce concours se terminera le 30 décembre pour un envoi courant janvier. Et voilà, j'espère que cette vidéo 5 idées cadeaux vous aura plu. J'ai pas du tout parlé en même temps que j'ai fait le geste, j'ai un problème de coordination. Comme je vous l'ai dit, c'est une première sur ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux. Ciao !